Hey, salut les amis! Bon, ben me revoilà, je reprends les randonnées comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo atelier. Donc voilà, je suis parti pour faire une petite randonnée. Alors, je vous en dirai pas beaucoup plus sur la vidéo en elle-même. Vous verrez au fil des roches, on est hein, tout simplement. Et ça devrait le faire normalement, mais ça devrait vous plaire. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire un petit peu de terrain mixte, c'est-à-dire on va faire un peu de chemin de terre, un petit peu de route. Et un petit peu de sous-bois normalement si le temps me le permet. Donc voilà, je vous en dis pas plus, on se retrouve tout le long du parcours. Allez les amis, c'est parti, let's go! Allez les amis, c'est parti, hein, j'ai de partir de mon point de départ. Et bon bah c'est pas habituel du tout, hein, c'est pas du tout où je suis. Il y a peut-être une personne dans tout ce beau monde des abonnés qui va reconnaître. Mais sinon, non, personne ne me connaît par ici. Et là, vous voyez, je commence bien, je me trompe de direction. Mais voilà, ça va le faire. Croyez-moi, ça va être enfin, original, non. Mais au moins, ça va changer un petit peu des vidéos d'habitude. Allez, c'est parti. Là, on est sur le bon tracé. On y va. Il y a un petit vent, il fait frais. Il fait à peu près 3-4 degrés. On va voir ce que ça donne. Mais franchement, ça me fait bien plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous expliquerai bien plus loin pourquoi je fais ça. Et je pense que vous avez de comprendre par rapport au titre de la vidéo que je vais lui mettre. Et la façon dont je vais la tourner, qu'on va dire que je vais la monter. Donc c'est parti. Voilà les amis, comme je le disais en début de vidéo, hein, la personne reconnaîtra très bien l'endroit, hein, franchement, je lui fais même pas un dessin, ça va la faire sourire, ça va lui faire rappeler des bons souvenirs. Franchement, moi-même, je suis bien content d'être ici. Donc voilà un petit peu où je voulais arriver. C'est un carrefour entre quatre chemins de terre que nous, on connaît très bien, où on faisait régulièrement des pauses à chaque coup qu'on allait direction Olin. Voilà, je vous donne un bon indice, hein, direction Olin, on passait par ici. Et franchement, ben, je tenais à refaire le parcours comme dans le temps, on va dire, il y a réellement 10-15 ans, on va dire, facile, peut-être plus, j'en sais rien, que je calcule. Mais voilà, je veux absolument revenir ici pour voir un petit peu si ça a changé, si. Voilà. Donc voilà un petit peu, les amis, donc je continue le chemin et puis ben, on se retrouve bien plus loin. Allez, salut à tout à l'heure. Allez, les amis, on va bientôt arriver là où je le veux. Waouh, c'est bien grand. Oh, oh. Franchement, c'est bien grand, c'est super. C'est ce que j'aime, hein, comme d'hab. Quand je vous dis que rien n'a changé, rien n'a changé. Même l'état du terrain en hiver, c'est toujours pareil. L'hiver, c'est fort gras. Et des grosses flaques, hein, comme vous le voyez. Même ici, hein, là, c'est vraiment la mare. Et dans le temps, c'était déjà ça. Je vais te passer dedans, carrément. Mais, pour le plaisir. Voilà. Donc je suis arrivé là où je voulais, hein, bien sûr. Je sais très bien où je suis. Je suis au niveau de la balance industrielle, comme je dis, pour les tracteurs. C'est là où ils viennent peser le blé et compagnie en période de saison pour eux. Et donc voilà. C'est ce chemin-là que je voulais faire aujourd'hui. Revenir en arrière. C'est-à-dire un peu un retour vers le futur, c'est le cas de le dire. Et me voilà donc à cette fameuse balance
qui pareil est toujours là, toujours présente. Que je ne sais pas combien d'années, j'ai repris la route. Hein. Alors je suis sur un chemin de terre que j'ai déjà pris dans le temps. Hein. Ouais, vraiment une paire d'années, c'était de le dire. Hein. 15 ans, je suis pas passé ici facile. Hein. Mais voilà, ça fait plaisir de reprendre toutes ces traces. Alors on repart du côté de Nolémine. En fait, je vais faire une petite boucle, hein. Ça va pas être énorme comme vidéo aujourd'hui. Je pensais pas faire ça. Franchement, j'étais pas du tout parti pour faire ce genre de boucle. J'étais parti pour bien plus loin, mais je me suis fait trahir par mes conditions physiques. Je savais que la reprise serait pas facile, faut bien le dire. Mais quand même pas à ce point-là. Il y a ces gorgées d'eau. Le terrain il est gros du coup. Du coup, je suis retenu par mes pneus, hein, par la boue et le terrain gros. Donc c'est moins évident que je ne le pensais. Je n'entendais pas si gras quand même, mais bon. Voilà. Ça grimpe, les amis, ça grimpe. Alors ici, c'est la route pour joindre R5 ou Pigny. Prenez cette petite route. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a bien longtemps. Et j'allais au magasin de mobilette en ce temps-là. Parce que j'avais de mob, hein, comme tous les jeunes. Hein, vers 16 ans, on a de mobilette. Et j'allais chercher mes pièces à R5 ou Pigny. Sans mobilette. Ou malheureusement en vélo quand j'étais en panne. Ça me fait plutôt rire. Mais bon, voilà. Et je peux vous dire que cette route-là, elle grimpe. Et je vois que bon, malgré tout, je me débrouille dehors pas mal pour la faire. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est plus des vieux souvenirs. Et voilà. Je voulais en fait vous les faire partager. Parce que maintenant que j'ai une voiture, ça me permet de bouger et de pouvoir revenir à tous ces petits endroits où j'ai vécu il y a quelques années, où j'ai commencé le VTT. Et voilà. Je sais pas trop comment vous faire. Je ne savais pas trop quoi vous faire en vidéo pour la reprise. Donc voilà. Je voulais vous montrer un petit peu des petits chemins comme ça. Des petits coins où j'habitais. Et où je roulais, quoi, on va dire. Même si en ce temps-là, je roulais avec des vélos de chez Cora, comme je dis. Mais voilà. J'ai commencé comme ça. Ouais, comme tout le monde. On a fait le tour en gros. Pas du passé de maison, sans s'exagérer. Mais partie de la ville, on va dire, en quelque sorte. Alors je ne sais plus, c'est plus beau. Je ne sais pas si ça existe encore. Alors ce que je cherche, c'est voyez là-bas. C'est le fameux magasin de mobilette, hein, comme je vous disais, bon, une paire d'années. Hein. On s'en fout. Mais franchement, je suis pour le plaisir de repasser devant et de revoir un peu la façade. Parce que bah, sans là, voilà, quoi, comme je vous expliquais, c'est ce que je venais, quoi. Voilà. Voilà, c'est de ça que je vous parlais, le fameux magasin, il est là, bon, il ne reste plus grand chose, hein, c'est sûr, mais c'était ici, je ne sais pas ce que c'est devenu. On voit encore sur la façade de marqué Shimano avec des autocollants Bianchi, voilà un peu. Mais franchement, c'est bien plaisir de venir par ici, parce que c'est vraiment mon secteur, quoi. Hein. J'ai vécu ici pendant 7-8 ans, on va dire. Bon, à base, je suis de Lens, hein, faut pas mentir, j'ai vécu 14 ans à Lens. Après, j'ai habité 7-8 ans en Nolémine, et puis... Après, j'ai habité par où je suis actuellement. Voilà, tout simplement du côté de Frévent, Saint-Paul-sur-Ternoise. Hein. Ça, je le cache pas, hein, tout le monde le sait. Donc voilà, mais petit parc, hein, comme je disais il y a quelques minutes. Hop. Vraiment, ça existe toujours, ce petit passage. C'est cool. Hop, voilà. Donc voilà, en même temps, ça vous fait un peu de chemin mix. Ça fait une espèce de... Ouais, c'est bon, j'exagère le truc. Hein. Voilà, on va revenir au point de départ de tout à l'heure où il y avait tous les gamins qui sont arrivés en bas du chemin de terre. Là. Je sais pas si vous vous souvenez. Je sais pas si j'ai filmé, vous verrez. De toute façon, il y a encore plein de gosses. J'arrête de filmer, j'aime pas beaucoup, mais bon. Ça fait partie du jeu. Donc voilà, on va revenir au point de départ en fait. Mais au lieu de reprendre le chemin de terre, on va repartir par la route. Et puis on va rejoindre la voiture tout doucement. On va reprendre la ville. Voilà. Voilà, le city est juste derrière moi, donc c'est ça. Vous voyez, c'est une espèce de petit parc, hein, bien sympa, tout simple. Hein. Pas très grand, mais
Ça fait des petits chemins pour rouler, c'est plaisant. Donc voilà un petit peu. Hop, j'essaie de rejoindre après la route, tranquille. Et puis voilà. Allez, amis, continuez tout à l'heure. On se retrouve au niveau du petit parc, hein. Comme on est parti tout à l'heure, une verve là, et la voiture est en face de nous. Donc voilà les amis, rando terminé, hein. Franchement bah, ça m'a bien fait plaisir de vous faire partager tout ça. J'espère que vous de même, hein, j'espère que ça vous a fait bien plaisir. Alors j'ai regardé un peu sur Strava, d'ailleurs je l'ai partagé sur Facebook, j'ai fait 15 km tout rond. Franchement, bon, bah, je m'attendais pas à faire même 10 km et franchement, bah, j'ai fait un peu plus, donc ça fait plaisir pour une petite reprise. Bon, je vous accorde là, beaucoup de petits chemins de terre, beaucoup de routes, mais fallait pas s'attendre pour une reprise à faire du kamikaze non plus, on va dire. Donc voilà un petit peu, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bah, n'oubliez pas de liker, hein, partager, commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, à la prochaine !